Good morning, allez, Iden et tu sois aujourd'hui l'Irfouat, Refeldov, Ben Yehudit, Betor, Shachou, Israël, Leilou Nishmat, Avram, Chenor, Ben Fortune, Mazal, Edith, Abet, Esther, Yaakov, Nissim, Elchana, Machlouf, Micha, Ben Masouda, et Jamil, Tarhab, Lebet, Mesalton. Si vous souhaitez, vous aussi, d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions à Masechet Ketoud, Perekei, Mishnah, Zain. C'est exactement le même principe qu'on a toutes les Mishnayot. C'est très intéressant pourquoi des fois la Mishnah se met à rallonger pour répéter le même principe sous 40 aspects, 44 figures, quoi. Vraiment pour rien. Ça fait déjà depuis la Mishnah, je crois, Dalet, Hey, Vav, Zayin, Chet, jusqu'à la fin du Perek, ça va continuer. Mais c'est pas grave, on lit, on traduit directement. Chaticha shel chelev, vechaticha shel chelev kodesh. On parle d'une personne qui avait devant lui deux morceaux de graisse interdite, un qui était un chélève classique, chouline, profane, et l'autre qui était en blousin du chélève qui était kadosh, du chélève qui venait d'un corban. Donc, faites tout de suite le calcul, qu'est-ce qui va se passer? Donc, quand on mange du chélève, d'abord, on est passible d'un corban khatat. Parce qu'on mange aussi un chélève qui est kadosh, alors on doit aussi apporter un corban hacham, de hacham meilot, dans un interdit de meila, du sacrilège. D'accord? Dans le doute, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Vous connaissez déjà tout, regardez. Donc dans le doute, tu as mangé une, tu sais pas laquelle. Dans le doute, tu dois apporter premièrement un korban khatat. Maintenant, deuxièmement, peut-être que tu as transgressé l'interdit de Meïla. Donc peut-être que tu rêves d'un cham Meïlot. Qu'est-ce qu'on fait dans le doute? Eh bien, dans le doute, est-ce qu'on devra apporter un korban hacham talouï pour un doute de Meïla? Ça, on le connaît depuis la Mishnah Bet, qui est une marque de Rabbi Akiva et Chachamim. De ce fait, on lit, on traduit directement, « Achal et achat me'en, ven yadoua et zemen achal. » Il a mangé l'une d'entre elles, mais il ne sait pas laquelle l'a-t-il mangé. « Mevi chatat, il devra porter un korban chatat, parce que ça, c'est sûr que tu as transgressé l'interdit de manger une graisse interdite. Est-ce que tu as transgressé l'interdit de Meïla? On ne sait pas. Dans le doute, Tanakama dit que on apporte un korban hacham talouï, le korban hacham qu'on apporte parce qu'on a un doute, c'est qu'on a transgressé que par rapport aux interdits de khatat et pas par rapport aux interdits de hacham et l'autre. Quand on va finir la Mishnah, je vais vous rappeler la règle. Quand même, pour le moment, j'avance pour ceux qui s'en souviennent. Comme ça, en ces périodes d'entrefaites qui finissent vite la Mishnah. Rabbi Akiva Omer, Mevi hacham talouï. Rabbi Akiva te dit, tu dois en plus, ouais, le Bartanor est précise, en plus, d'ailleurs que tu dois apporter le korban khatat, mais en plus, tu apportes aussi un korban hacham talouï. Parce que tu as un doute, est-ce que tu as transgressé l'interdit de Meïla? Tu as un doute, est-ce que tu lui apportes un korban hacham vadaï? Dans le doute, tu lui apporteras un korban hacham talouï. Deuxième suite de l'histoire. Achal et Tachnia, ensuite, bon, il a fait son erreur, il a réalisé, et puis le lendemain, il a mangé le deuxième bout. Mevi shtei chatot vacham vadaï. Là, dans ce cas-là, il doit apporter deux korban khatat et un hacham vadaï. Pourquoi deux khatat? Parce qu'il a mangé deux bouts de chélève. Mais attention, parce qu'il y a eu prise de conscience au milieu. Si c'était dans la même lancée qu'il a mangé les deux, alors il n'apportera qu'un seul korban, parce que ça s'appelle un helem echad, c'est dans un seul oubli, vous vous rappelez de la règle. Si j'ai oublié que c'était interdit de manger du chélève, dans le même étourdissement, j'ai mangé pendant 3 semaines, tous les jours, du chélève, j'apporte un seul korban, même si j'ai mangé tous les jours un kazaït, parce qu'il faut une yedi'a l'echalek, il faut une prise de conscience. Donc là, on parle qu'il a mangé un premier bout, il ne savait pas où est-ce qu'il en était. Et puis il a oublié, le lendemain il est revenu, il a mangé le deuxième bout. Donc là on lui dit, bon, deux chataot, parce que tu as transgressé deux fois l'interdit de chélève avec prise de conscience au milieu, et en plus de ça, un korban hacham meilot. Hacham meilot, c'est le korban hacham que l'on apporte lorsqu'on a mangé quelque chose qui était kadosh. C'est un korban vadaï. Pour rappel, il doit rembourser le prix, le donner à la trésorerie du Beit HaMikdash. On apprendra dans la Masechet Meila, la prochaine Masechet, d'apprendre dans les détails à qui rembourser exactement. Pour le moment, supposons qu'il va donner à la trésorerie du Beit HaMikdash, dans une des caisses du Beit HaMikdash, il doit rembourser, rajouter un cinquième et apporter son korban hacham meilot. Deuxième cas de figure maintenant, on est dans la même situation, il y a deux bouts, mais c'est plus lui qui mange les deux. Il y a eu achal echad et arishona ou bachar vachal et ashnia. L'un il a mangé l'un et l'autre il a mangé l'autre. Il a invité son copain à se faire un sandwich à la maison, il a sorti une assiette de viande. Un morceau de chélève et l'autre morceau de chélève kadosh. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, zemevi khatat, mais zemevi khatat, même principe, un apporte un korban khatat et l'autre apporte le korban khatat. Rabbi Akiva Omer, zemevi hacham talouï, zemevi hacham talouï, Rabbi Akiva te dit, bon, c'est vrai que tu dois apporter le korban khatat, comme il dit le Barthénora, ben, il n'y a pas de doute qu'il doit apporter le korban khatat. Mais il doit même aussi apporter un korban hacham meilot, hacham talouï. Puisque chacun a un doute, est-ce qu'il a transgressé l'interdit des sacrilèges? Rabbi Akiva pense que lorsqu'on a un doute, si on a transgressé l'interdit des sacrilèges, on doit apporter un korban hacham talouï.
C'était dans la Mishnah Bet. Et Rabbi Shimon Omer, Zechatat. Vezechatat ou Shne Mevim Hashem Echad. Rabbi Shimon dit que un apporte un korban khatat et l'autre un korban khatat. Mais par rapport à l'interdit de Meïla, Rabbi Shimon n'est pas d'accord sur le fait que chacun devra apporter un korban Hashem Taloui, mais il a quand même un moyen d'expier le. La Meïla, comment? Qu'ils apportent un korban en association, Ushnem, Mevim, Hasham, Echad, les deux ensemble apportent un korban Hasham, selon le principe. J'ai fini Rabbi aussi, et je vous explique tout d'entrée pour celui qui a oublié. D'accord? Selon donc Rabbi Shimon, il dit que deux choses une, soit moi, soit toi, on a mangé. Donc, viens, on apporte un korban Hasham, et on fait la condition. Si c'est moi qui ai mangé, tu me donnes ta part du korban Hasham, et c'est moi qui l'apporte. Toi, peut-être que c'est toi qui as mangé, moi je te donne, je te cède ma part. Donc au lieu qu'on apporte chacun un korban un Hasham Taloui, oui ou non, comme ce qu'on va expliquer dans quelques secondes encore. Alors Rabbi Shimon, il a une solution. Pourquoi vivre dans le doute? Vivez dans le Vadaï. Faites une vraie expiation. Rabbi aussi Omer, En Shnem, Evim, Hasham Echad. Rabbi aussi pense que deux personnes ne peuvent pas apporter un korban Hasham. Donc il est relax sur Rabbi Shimon et il ne pense pas non plus comme Rabbi Akiva. On fait de l'ordre tout de suite. Très brièvement, c'est très simple. Je répète, en fait, vous reprenez le cours de la Mishnah Bet, vous comprendrez tout. Mais je vous fais quand même un petit rappel très très court. Ça se passe comme ça. Dans la Torah a précisé que pour la plupart des fautes sur lesquelles on est passé d'un korban khatat, on doit apporter un korban, on est passé d'un karet, on doit apporter lorsqu'on a transgressé le shogeg, un korban khatat. Ok? Notion claire. Shabbat, on a transgressé Bémézid, on est passible d'un karet, d'un retranchement, même d'une mita, eh bien, t'as un doute, t'as transgressé Béchogeg sans faire exprès, tu dois porter un korban khatat. Idem avec tous les cas d'inceste, idem avec toutes sortes d'interdits de Avodazara, et l'interdit aussi de manger des graisses interdites. Ok, ça c'est le korban khatat. Lorsque tu as un doute, est-ce que tu as transgressé ou non? Plusieurs cas de figure de doute. T'avais deux morceaux de viande, tu sais pas lequel était interdit, t'en as mangé un des deux, tu sais pas lequel t'as mangé. Alors là, dans cette situation de doute, la Torah elle a dit, tu sais quoi, je te laisse la possibilité d'apporter un korban Hasham Taloui. Un Hasham qui suspend. Parce que si tu as transgressé l'interdit, tu ne fais pas expier ta faute, eh bien, du ciel, on est fâché contre toi. Donc tu dois apporter un korban Hasham Taloui. Jusqu'à que tu réalises, est-ce que oui ou non tu as fait ton erreur, le jour où tu réaliseras, tu dois apporter ton korban Khatat. Voilà. Lorsqu'on transgresse un interdit sur lequel on n'est pas passible d'un Khatat, mais on est passible juste d'un korban Hasham, il y a... Vous savez bien, dans la Torah, il y a 5 Hashamot, plus le Hasham Taloui, c'est le 6e. 5 Averot sur lesquels on passe d'un Korban Hasham, comme on dit dans la Mishnah de Zeum Mekoman Shazifachim. Hasham Meilot, Hasham Shifra Harofa. Hasham Gzelot, Hasham Meilot, Hasham Shifra Harofa. Hasham Nazir, Hasham Tzoran, on le laisse de côté pour le moment, parce que c'est pas sur des Averot, c'est sur une purification. Mais en tout cas, donc on a 3 Averot en fait, qui sont, lorsqu'on on a volé et qu'on a juré, on apporte un Korban Hasham Meilot. Lorsqu'on a Hasham Gzelot plutôt, Hasham Meilot, c'est lorsqu'on a fait un sacrilège, on a utilisé quelque chose qui était kadosh, on en a tiré profit. Et Hasham Shifra Harofa, c'était la fameuse histoire avec celui qui a eu un rapport avec cette femme qui est à moitié libérée, mais pas complètement, qui est mariée avec quelqu'un d'autre. Toute une histoire qu'on avait appris dans le Perek, j'imagine Perek Dalet ou Perek Gimel, quelque chose comme ça. D'accord? Lorsqu'on a un doute, est-ce qu'on a transgressé une Avera sur laquelle on est passé d'apporter un korban Hasham? D'accord? On n'est plus dans le karet khatat. On est dans une sorte de transgression où on doit porter un hasham si on avait transgressé Bevadaï. En l'occurrence, par exemple, Meïla. Ouais. Et j'ai un doute, est-ce que j'ai transgressé l'interdit de Meïla? Il y avait deux morceaux de viande, un qui était kadosh et l'autre qui n'était pas kadosh. J'en ai pris un des deux, je ne sais plus lequel. Est-ce que dans le doute, je peux apporter un korban hasham taloui? Premièrement, Rabbi Akiva pense que oui. C'est le Rabbi Akiva qu'on rencontre de nouveau à deux reprises, qu'on a vu dans la Mishnah précédente et dans ainsi de suite depuis maintenant dans la Mishnah Bet. Et Chachamim ne sont pas d'accord, parce qu'ils pensent que exclusivement le Korban Hasham Taloui ne concerne qu'une Avera sur laquelle on est possible un Korban Khatat. Ok. En Mezid Khatat, dans le doute, Hasham Taloui. Mais Mezid Hasham Vadai, dans le doute, on ne fait pas Hasham Taloui. Ça c'est Chachamim. Et Rabbi Akiva donc pense qu'on apporte une devoir pendant le Korban Hasham Taloui. Maintenant, sur ça vient se greffer une deuxième marloquette, c'est le deuxième cas de figure de la Mishnah, où, à présent, il y a quand même un cas de figure où, soit moi, soit toi, on a transgressé le grave interdit. On ne sait pas qui. Est-ce que dans le doute, chacun se débrouille tout seul à porter son korban Hasham Taloui? Ou bien, non, on a une autre possibilité, on dit, écoute, deux choses l'une, soit moi, soit toi, on a transgressé. Viens, on apporte un seul korban, en association.
Puis je te donne ma part si c'est toi qui a fait la faute, et tu me donnes ta part si moi j'ai fait la faute. C'est plus économique, et c'est même beaucoup plus juste, comme ça on a vraiment fait la bonne expiation. Au lieu de faire une expiation dans le doute, on a fait une expiation parfaite. Seulement, il y a un problème. Alors d'abord, Rabbi Shimon pense que dans le doute, tu peux faire. Parce qu'il pense que Yediat Safek Shma Yedia. On avait expliqué la grande règle. Rabbi aussi est cholek sur ça. Il n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que Rabbi aussi pense que la Torah insiste sur le khatat, mais aussi c'est la même chose pour la Cham, qu'il faut, lorsqu'on apporte un korban, lorsqu'on a une prise de conscience, qu'on a fait le grave interdit. Si je ne suis pas sûr de ce que j'ai fait, le grave interdit, je n'ai pas encore la Yedia, la prise de conscience, pour que je puisse maintenant demander l'expiation. C'est en principe, même dans la vie de tous les jours, vous devez sûrement réaliser le problème. On peut, voilà, avant Kippour, on s'est dit, Mechila, peut-être que j'ai fait. Finalement, je réalise demain que, oh, bien sûr que tu m'as fait un sale coup cette année. Ah, je t'ai déjà dit Mechila. Non, non, quand je t'ai dit Mechila, je ne réalisais pas assez bien hein, l'enjeu et l'ampleur de la crasse que tu m'as fait. Donc maintenant, vas-y, il faut que tu redemandes Mechila si tu veux. Ouais, c'est un peu le même principe. Lorsqu'on veut se faire expier d'une faute, il faut faire état. J'ai gaffé, j'ai fait la grande erreur, c'est du passé, et puis maintenant, on tourne la page. Mais tant que j'ai pas réalisé, je suis encore un peu entre deux chaises. Je sais pas, je suis pas encore moi-même clair dans ma tête. La Torah l'a dit, pour le moment, t'apportes pas un korban. Donc, ça c'est la vie de Rabbi aussi, que tant qu'il n'y a pas de yédia, de connaissance de qui a transgressé l'interdit, alors on peut pas apporter un korban en association en disant que de deux choses l'une, on a transgressé. Ok? Ouais, Rabbi Akiva, on avait vu qu'il y avait une marloquette dans les Nefarchim. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Akiva par rapport à Mishimon? On va pas trop rallonger. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Sarah Koltou.